épaules. On attaque justement avec le saut de cheval et celui qui se doit de prendre une revanche, Ioannis Melissanidis, le grec. Ioannis Melissanidis, spécialiste du saut de cheval, vous l'avez dit Patrice, et qui effectue des doubles rotations arrière du Tsoukara et du Yurchenko. C'est un des seuls gymnastes au monde à faire ça. Va-t-il réussir sa prestation? Il y a une très très grosse prise de risque dans ses figures acrobatiques. C'est vrai qu'on l'attendait au sol. Hein. Au sol, il est le champion olympique, il a été déçu. À propos du sol, je vous rappelle que le Français Dimitri Karbalenko a terminé en 7e position lors de cette finale et que vous avez en face de vous le champion d'Europe en titre qui va tenter de prendre enfin une médaille lors de ces championnats du monde. Aïe, attention, et oui, ça s'est vu sur la pose de main, les épaules sont passées devant. Alors, il a effectué une rondade, renversement, impulsion, bras, double salto arrière. C'est le Yurchenko double salto arrière, mais regardez ici, les épaules sont quasiment au niveau du cheval, il n'a pas pu redresser le buste pour créer la rotation, d'où ce manque de rotation en fin d'exercice. On va peut-être voir ici un peu plus les épaules et la tête qui sont carrément sur le cheval. Il ne peut pas véritablement grouper son corps. Et alors là, c'est non seulement un 5/10 sur la chute, mais c'est surtout une flexion forcée sur les chevilles qui peut l'handicaper pour son deuxième saut. Et c'est surtout très difficile pour lui parce que c'était quasiment la dernière occasion pour le Grec d'obtenir une médaille lors de ces championnats du monde. C'est la dernière occasion et visiblement, il y a peu de chances qu'il l'obtienne, malheureusement. Il y a aucune chance même parce que c'est vrai qu'une chute comme ça, ça va sortir très bas. Alors que le juge chinois que l'on voit au milieu ici, c'est Li Ning. Le juge avec les petites lunettes. Voilà. On a vu, hein, les juges tiennent parfois la vedette lors de ces championnats du monde parce qu'on attend pas mal les notes. 937, la première note du grec Melissanidis. 937, c'est vrai que partir avec un tel handicap, il faut faire preuve de beaucoup de volonté, de concentration pour dire j'ai perdu, je n'ai plus aucune chance, mais il faut que je fasse quand même mon saut et faire attention à la technique pour pouvoir tomber debout, ne pas me faire mal. Alors c'est tout ce paradoxe qu'il faut gérer. Maintenant, cause perdue, mais finir avec panache. Aïe, attention, oulala. Oui, il avait déjà une... Il ne peut pas courir. On l'a vu dans sa course, il trépigne à l'arrivée sur le tremplin, on va le voir. Ouais. Hein. Il ralentit complètement sa course sur les derniers mètres parce qu'il est certainement blessé, puis psychologiquement atteint aussi. Hein. C'est sûr, il fait... Voilà. En fait, il exécute un Tsoukara, le corps groupé. Normalement, il fait Tsoukara double salto. On voit ici, regardez, il trépigne sur sa course. Alors, on l'a vu, quelques problèmes au niveau des marques, au niveau de sa course d'élan. Et forcément, les espoirs envolés pour Melissanidis.